Salam alaikum. Marhaban bikum. Bonjour. Good evening. Azul Flawen. Je suis vraiment contente que vous soyez là. C'est notre première assemblée générale. On est honoré d'avoir Monsieur Jacques Poirier, qui nous a beaucoup aidés, beaucoup soutenus. En tout cas, tout le monde sait notre belle histoire avec Monsieur Jacques Poirier. On va essayer d'aller un petit peu vite pour avoir notre conférence de testament. C'est ça. Ce qu'on va commencer, par la nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée. Moi, je propose M. Reza Brixi et une secrétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour un secrétaire? Oui, Lilian? Ok, oui. Bon, on a proposé M. Reza Brixi et Mme Lilian qui seconde. Geneviève? Ok, non, on a... Votre nom, s'il vous plaut? Oui. Hakim, il faut l'écrire. Joanne. Est-ce que M. Poirier soit le président d'honneur de l'association? Ben, écoute, c'est juste pour faire la voix. Je pense que par la suite, ça va venir. Écoutez comme ça. Ah, okay, ça bouge. On peut s'en passer. Inconvénient. On propose M. Cuny Poirier pour plusieurs raisons, qu'il soit le père moral et physique de l'association, président d'honneur. Alors, si vous êtes pour. Voilà. Alors, félicitations. Merci. Je pense qu'on va l'applaudir. Ouais. Je viens faire encore. Vous en avez fait beaucoup. Okay. Donc on va passer directement à l'action, ouais. À savoir le bilan moral présenté par Madame Geneviève. Okay. Ouais. Général. Et ensuite le bilan financier par Hakim. Ouais. Et bien vous entendu. Vous avez vos feuilles. Vous pouvez suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses que comme ça vous n'allez pas vous perdre. Et après, on passera à des questions d'ordre régulier, c'est-à-dire l'établissement de la cotisation, son maintien, ça dépend. Et puis, bien entendu, on passera aux élections pour le reste du bureau à combler. Après, Varia, bien entendu, parlera de... Tout le monde pourrait parler de sa vision et comment qu'on pourrait améliorer l'association. Avec une période de questions et une clôture, et par la suite, une pause. Et il y a un conférencier sur le testament. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la séance est ouverte. Donc, je vais vous présenter les événements et les activités qui ont été organisées au cours de la dernière année par l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Premièrement, on a eu une conférence sur le domaine funéraire musulman au Québec qui a été organisée à la salle Espace Passerelle sur la rue Saint-Denis. On a eu, oui, le 18 avril 2015. Et le 7 juin, il y a eu l'inauguration des travaux au cimetière musulman de Montréal, oui, qui est offert par les salons funéraires Magnus Poirier. Le cimetière, l'adresse, c'est le 5505 rang du Bas-Saint-François à Laval. Il y avait plus que 200 personnes qui étaient présentes. C'était vraiment un beau succès. On a eu la soirée bénéfice dans le mois de Ramadan. Malheureusement, beaucoup de personnes avaient donné leur présence, qui avait dit qu'elle allait être présente, mais qui n'était pas venue. Bon, l'objectif d'amasser des fonds n'avait pas été atteint. La visite guidée lors de l'Aïd, le 18 juillet 2015, c'était vraiment agréable. On a pu voir 5 cimetières musulmans autour de Montréal.
puis on a pu constater la situation aussi de chacun. Il y a eu une formation sur le rituel funéraire musulman pour les femmes, qui a été organisée le 19 juillet 2015 en partenariat avec les salons funéraires Magnus Poirier. La première partie étant l'hygiène et la salubrité, ensuite une toilette funéraire musulmane. C'était vraiment très instructif. Puis, on a beaucoup de demandes aussi, autant pour les hommes que pour les femmes. Ouais. Ouais. Il y a une soirée bénéfice au Resto Café Mazagan, le 21 août 2015. Ensuite, l'ouverture officielle du cimetière musulman de Montréal, le 4 octobre 2015. Des mois et des mois de travail, d'efforts, de réunions. C'est un projet entrepris par Magnus Poirier. L'adresse, vous la voyez encore, 5505 rue du Bas-Saint-François à Laval. Il y a eu du soutien de l'aide financière. Mm-hmm. De l'aide financière pour cette famille et du soutien, visite, préparation des repas, des cérémonies pour plus de 13 familles. Ensuite, la Fédération de l'écomusée de l'au-delà, on est membre depuis le 6 décembre 2014. Le directeur nous a honorés aujourd'hui. Il est là, M. Alain Tremblay. Pouvez-vous bonsoir. Vous dire, M. Alain? Et aussi, on a un membre de patrimoine funéraire, M. Julien, qui nous a honorés. Bonsoir. Aussi. Donc, on a participé à plusieurs activités que la Fédération a organisées. Donc, il y a eu des visites guidées des cimetières dans différents endroits au Québec. On a fait une présentation sur le domaine funéraire musulman au Québec et plusieurs rencontres qu'on a assistées. Protection et promotion des lieux de sépulture. Malgré la pose de gazon faite par la mosquée Sikyo dans le cimetière islamique, il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail encore à faire. Il y a eu la restauration du cimetière d'Urgelle-Bourgie. Donc, le carré n'est pas identifié, les tombes n'étaient pas identifiées et il y avait beaucoup de travaux à faire. Là, c'était pas aménagé du tout. Là. Donc là, ils ont aménagé le terrain, mais le carré n'est pas identifié encore. Jusqu'à maintenant. Oui. Jusqu'à maintenant. Mais les tombes sont identifiées avec un bout de bois. L'association et les médias, on a des médias qui ont parlé de nous, donc Radio-Canada, CBC, Télévision Maghreb, Dachra TV, K-Web TV, le journal Xari. Initiative, comment tu dis? Xari. Comme ça? Xari Web. Journal Initiative, Journal de Montréal, Métro, Al Mashrek, ou Al Maghreb, Epoch Times, le magazine Reflet de Société et La Veille. Donc, sensibilisation et demande de soutien. On a rencontré plusieurs organismes, personnalités politiques, religieuses et des personnalités remarquables de notre communauté musulmane dans des cafés. Ensuite, support et communication. Vous pouvez nous suivre au www.sepulturemusulmane.ca ou sur notre page Facebook. Voilà. Pour le bilan moral de cette année. Et ça, on n'a pas tout mis, hein? Merci. C'est un résumé. C'est un résumé. Mais on active 7 jours sur 7. 24 sur 24. Oui, on veut sensibiliser notre communauté, ouais. Notre société québécoise. Pas seulement les musulmans, hein? On a touché à tout le monde. Et ça reste beaucoup à faire. Merci. Si. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Hakim Bouisseri, le trésorier de la société. De l'association. Je vous propose l'état financier de l'année 2014-2015, c'est-à-dire à partir du 1er octobre, enfin en 25 octobre réellement, c'est le jour de la création de notre association, jusqu'au 30 septembre. Notre gestion financière s'est basée sur deux, si je peux dire, comptes.
on a un fonds de soutien, au début on a appelé comme ça un fonds de soutien, qui est réservé pour l'aide financière destinée aux plus démunis. Et on a un autre compte, que fonds de roulement pour gérer, pour faire rouler l'association. Je commence par les revenus. Les revenus, enfin au début, on a des provenances des donateurs. Pour les deux mois de 2014, $640. Et pour l'année 2015, jusqu'au 30 septembre, c'est 8 963,79 sous. On a fait aussi la collecte de zakat. Zakat de fitre et zakat annuel pour 3 056,03. La totalité pour le fonds de soutien, c'est 12 159,82. Pour le fonds de roulement, il y a les cotisations des cartes, enfin les, je veux dire les cartes des membres, les cotisations des membres. 2014-2015, c'est 3 803,48. Des dons collectés jour de conférence, parce que quand on organise les événements, les dons qu'on ramasse ces jours-là, on les met dans le fonds de roulement pour faire marcher notre association, qui la conférence du 18 avril 2015, c'est 478,45. Jour de l'inauguration du 7 juin 2015, c'est 208,35. Il y a un don de la part de la Caisse des Jardins du Nord de Laval de $250. Un don de Jacques Poirier, ou bien de Magnus Poirier en plus, de $150. Un don de Hakimi Hajira, $430. Et vente des billets pour la soirée et le souper pour $2,743. Le total pour ça, c'est $8,064,23. Le total pour le fonds de soutien et le fonds de roulement, c'est 20 224,05 sous. Ça, c'est pour les revenus. Pour les dépenses, comme Mme Geneviève l'a dit, qu'on a aidé 7 familles financièrement. À part les 13 familles qu'on a aidées moralement, bien organiser des cérémonies, je parle ici pour juste l'aide financière. Pour cette famille, pour une totalité de 10 731,96 sous. Les dépenses pour la gestion de l'association, enfin... Il faut préciser ici, Hakim, que les familles qu'on a aidées, selon leurs besoins. Il y a des familles qu'on a aidées de $500, $2000, $2000, selon le besoin de cette famille. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, c'était quoi C'est les frais funéraires. C'est vraiment payer les... Ils ont été sélectionnés aussi. Oui. Payer les critères. Oui, c'est sûr que c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de payer leur frais funéraire. Oui. On va peut-être répondre à cette question quand il y en a la période en question. Alors pour les dépenses de la gestion, il y a les frais d'enregistrement au niveau de Revenu Québec, $160, frais d'ouverture de compte, $25. Frais d'impression, la totalité 1116. Abonnement site web, $101. Production de tampons, bien de stamps, $53. Achat boîte pour dons, $50. Frais pour différents événements, $5,633. Dons pour patrimoine funéraire Montréal, $50. Publicité sur les journaux, $428. Un trophée pour M. Hicham Ayoub de $120. Et commande des chèques, $131. Et divers frais, c'est-à-dire pour des frais de poste et des frais de transactions bancaires, la totalité pour $54. Le tout, ça fait 7 924,72 sous. Suivant toutes ces données, on a un actif net au 30 septembre 2015. Pour le fonds de soutien, on a le revenu de 12 159 avec des dépenses de 10 731. Le solde, c'est 1 427. Et pour la gestion de l'association, on a les revenus de 8 064 avec des dépenses de 7 924 pour le solde 139. La totalité, c'est $1,567 qui se trouve dans le compte bancaire le jour du 30 septembre 2015.